Salut mes soyons, ouais, voici Captain Fleur de la CIP, que nous sommes de champion M16 sur ton prenez une nouvelle aventure, Throne of Night. Alors, la dernière vidéo, on s'est laissé ici, puis je vous ai dit que je partirais avec une nouvelle partie. Une partie déjà commencée. Moi je pensais que ça peut faire comme que je voulais que ça fasse. Moi je conseille une chose, vous allez, dès qu'ils vont dire un à la fois, moi je dis deux en même temps. Une fois que ça, absolument, qu'est-ce qu'il fait, il fait leur coup de tête assez rapidement, mais là non, vous tapez, après ça vous allez voir lui pour éviter tous les projectiles en même temps. Emplacement de charme. Très utile. Nous allons l'équiper, bien sûr. Ça va nous aider pour équiper un charme de plus, si on veut. Nous allons voir celui. Il faut lui payer si on veut voir qu'est-ce qu'il vend. Que veux-tu? Le pot pour l'instant. Et je vais mettre ça. Vous pouvez voir que j'ai pas le charme, le premier charme que j'ai été chercher, c'est normal. Pas sans je l'acheter plus tard. De toute façon, faut tous les avoir. J'ai une petite astuce. Faut juste que je trouve le bon charme. Pour payer moins cher. Nous continuons l'aventure par là-bas. C'est simple, j'étais bloqué. Je cherchais quoi faire. Je suis en train de. Pour être honnête, c'était ma première. C'est ma première essai de vidéo. Ouais, c'était ma première ma deuxième partie qui est la première essai de vidéo. Vu que j'ai pris de l'avance, un peu plus d'avance sur ma première partie. Oups. Faire très attention à ça, je profite. Oh. Et voilà, comme ce qu'on s'en débarrasse de lui. Ça, vous allez par là-bas parce que le côté ça vaut pas la peine pour l'instant. Ah, les petits pas d'une petite grasseuse peut être une aventurière comme moi. Cherches-tu des endroits dangereux? Eh bien, tu es sur la bonne route. Une blessure au long cou m'a averti d'une tribu un peu plus bas. Elle m'a dit que ce sont des sortes de guerriers. Et j'ai vraiment très envie de me battre. Eh ben. On va la voir plus tard. Premier coup, j'ai fait une essai de vidéo, c'est trop plate, je me sentais trop plate. Les champignons, faut vous regarder vers le bout pour pouvoir faire ça. J'ai resté coincé quelques minutes parce que je savais pas comment faire. Maintenant que je sais comment faire. Facile. C'est un raccourci. Mais côté raccourci, des fois, raccourci peut-être.
Mais dans le rue, je trouve. Oups. Ah. Ornette. On peut pas de toute façon y aller pour l'instant. Oh! Non, ça fonctionne pour de vrai. Oh wow, ça fonctionne pour de vrai. Protège pour un coup de dégâts. Là où que je vais, c'est primordial parce que il voit comment on se voit de ça. On peut débloquer une porte, mais cette porte là c'est le plus tard, pas pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller plus bas sans se faire mal, bien sûr. Là est le danger. C'est créature mal. Une touche peut faire mal dessus, mais les autres ils sont plus difficiles. Voyageurs cherchant la mort, bienvenue. Puissiez-vous trouver une fin rapide entre nos pinces? Quel bienvenue, quel accueil. Pas super aux autres quand même, faut que tu fasses attention quand même. Je préfère de passer par là si vous voulez éviter les montres vieux. Hey, ça n'a pas d'importance pour l'instant parce que là on voit sur le bas. Ah, haha. Dans le fond ici c'est un endroit capital pour voir et chercher un nouveau sort. Un sort très utile. Juste me débarrasser de ceci. Tant qu'à ça, je viens de se débarrasser quelques ennemis. Et là on peut pas se rendre plus loin comme vous pouvez le voir.
Voilà, ça rouvre la porte juste en haut. On s'est débarrassé des bibittes en plus. De ce qui était là, ouais. C'est ça qu'on a vu que je suis dû chercher. Là, ça va être le fun. Là, ça commence à être le fun. On peut. Ça, c'est le fun parce qu'on peut maintenant monter sur les murs. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher quelques... ça. Mais pas juste ça. Oh. La trêve demeure. Notre ville perdure. Les bêtes sont tenues à distance. Si je le prends du coup, c'est incroyable. Lui du premier coup, waouh! Mais faut que lui du premier coup. La porte est longue. Un beau tremblement de terre avant que la porte s'ouvre. Dans le fond, ça a ouvert une place que je vais aller beaucoup plus tard dans le jeu. Qu'on peut aller maintenant, mais moi je vais. Personnellement, je vais y aller plus tard dans le jeu. Les montres religieuses, les autres apparaissent pas quand on change de zone, mais ceux-là, c'est Gabe. Les Gabe, oui. Ça devient une tribu, hein. Si vous voulez. Dans le fond, ça va faire quand on va aller en bas, on va avoir un combat, puis on va avoir de quoi aussi. Une récompense, bien sûr. Un passage, si je me trompe pas, quelque chose de même. Ceci va faire en sorte que ils nous attaqueront plus, c'est moi, les autres. Le côté on a. Oups, je regardais pas bien sûr. Comme ça, ils nous attaqueront pas les montres religieuses, tout ça. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'aller poursuivre notre chemin. Je sais pas pourquoi je suis allé par là. Mais c'est par là qu'il faut aller. Vous vous souvenez? Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas y aller plus loin. C'est normal parce que fallait pouvoir grimper. Ici se termine la route des pèlerins. Le centre de l'ONS s'ouvre devant vous. Continuez d'avancer pour partager sa gloire. Mais j'ai pesé. Non, mais... ça au moins un point qui va nous servir, qui pourra nous servir plus tard. Portez pas attention. Et quand je dis plus tard, c'est vraiment plus tard parce que faut débloquer un nouveau pouvoir si nous voulons continuer. Une statue de chevalier. Il y a une cavité sur la pointe. Insérez le blason de la ville. Vous vous souvenez le blason de la ville de
La première personne qu'on a battue. Première créature qu'on a battue. Le gros. Le premier boss dans le fond. Donc qui était évitable. C'est lui que je parlais. La particularité, pourquoi je continue sur cette partie, bah, vous entendez ça, il y a un sol friable. Ça c'est plutôt qu'on va pouvoir y accéder. Oh, attention à ça. Donc c'est... Ah ouais, je tue de même, oui. La raison à laquelle j'ai pris cette partie-là, parce que... Si je vais dans l'inventaire... Vous voyez ça, lanterne. Ça, c'est ce qui coûte 1800$. Et j'ai tout déjà acheté. Qu'est-ce qui est dans le magasin. Qu'est-ce qui était là à la disponibilité au début. J'ai rushé dans le fond. Dans le fond, j'ai rushé. Vous vous souvenez, celui qui est optionnel avant le boss. Dans le fond, lui, j'ai rushé ça. Je l'ai tué plusieurs fois, qui donne 45. 45 plus les créatures avant. J'ai reçu juste attendre que j'aie le montant que je puisse tout acheter. J'ai vraiment fait ça. C'est la différence de toutes mes autres parties. Ah, c'est vrai. Là, on a Curel. On va lui parler. La capitale est juste devant nous, mon ami. Cet endroit semble si sombre, mais c'est là que l'on pourra trouver des réponses à plusieurs mystères. Moi aussi, j'ai ressenti l'appel de cet endroit. Mais maintenant que je suis assis juste devant, je suis hésitant à descendre. Je me demande si c'est la peur qui m'en empêche ou s'il s'agit de quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre pour que je l'apparaisse. Non. Tiens. Et voilà. Non, on va aller par là parce que ça va être très important. Hey. Ici, en dessous, il y a de l'eau. L'eau, on peut y aller sans problème. L'ennemi meurt automatiquement. Mais nous, nous ne mourrons pas. Un forgeron. On va aller voir un forgeron. Très important. Mais tu apportes une aiguille. Un autre aiguillon à améliorer, pose le porteur et reviens plus tard si tu respires encore. Ah, oh, j'étais pris pour quelqu'un d'autre. Cherches-tu un fabricant d'aiguillon? Eh ben, tu en as trouvé un. Je ne suis pas très bavard, mais si c'est un aiguillon qui a besoin d'être réparé, alors tu as trouvé le bon insecte. Ton aiguillon est en piteux état. Celle-ci n'est évidemment pas un des miens. Cependant, tout peut être perfectionné avec assez d'efforts et d'habileté. Même cette relique est brisée. Je peux renforcer ton aiguillon si tu veux. Cela rendra la lame bien plus létale. Pour 250. Comme tu le souhaites, je me mets au travail tout de suite. Voilà, j'ai fini de
reforger ton arme. Lève-t-il la pointe de ton aiguillon, tu verras, il est maintenant bien plus puissant qu'il ne l'était autrefois. Va dehors et teste sa puissance contre tes adversaires. Si tu fais ça, faut essayer de faire ceci. Voilà la preuve que c'est plus puissant. Ceci, ça va faire du bien. C'est ce que je vais faire parce que moi... Maintenant, elles ont pris 4 coups de 5. Mais moi, je vais aller en haut en premier. Et non en bas parce que j'ai ceci à aller chercher. Ok, laisse un saut d'indonésie. Oups. Que ça prend plus de 3 coups mais bien 2 coups. J'aurais pu ne pas m'en préoccuper mais ça me tentait. Un nouvel ennemi. Pourquoi je fais ça? Mais pas grave. Le rendu il faut monter en haut. Ça fait mal. Une nouvelle ennemi. Justement, ce que je m'en allais essayer d'éviter. Mais c'est pas grave. On se retrouve là-bas. Bon, on est de retour à l'endroit que je mens. Absolument rien. On va continuer à monter. Parce que nous avons un levier qui débloque ceci. Pour qui débloque ceci. Maintenant nous pouvons aller d'un bord comme de l'autre. Je pense qu'on peut se l'entendre au moins. Ok, il arrive de quoi? Ouch.
et lutter, sinon ça fait ceci. Un autre coup-ci. On peut venir de ce sens-là sans problème. On a amélioré notre aiguillon, mais je peux vous dire que c'est une nécessité d'améliorer mon début. Prof, non, je veux pas payer. Non, au contraire, c'est une nécessité primordiale. Ah. Regardez comme il me reste de fuir, oui. Ah, j'ai même pas regardé. Sachez une chose aussi que faut que je vous avertisse. Au fond, qu'est-ce que je veux faire? Même si ça prend plus de temps, c'est pas grave. De toute façon, je trouve que les vidéos interminables. Je sais qu'il y a un banc qui s'en vient dans pas long pour ça. Ah oui, c'est vrai, il y a une chenille là. J'ai oublié celle-là. Et non, il n'y a pas d'animation, ben. Oui, facile. Gros, il est facile quand même. Et les deux ensemble, c'est quand c'est deux, deux voilà. C'est là que ça va être plus difficile. Bon, faut payer. N'est-ce pas un véritable changement de décor comparé à cette caverne naturelle sinueuse? Les pluies donnent un certain aspect de tristesse à cet endroit, mais son architecture est tout simplement splendide. Cartographier une région si différente est un véritable défi, mais que j'ai hâte de le relever. Peut-être aimeriez-vous acheter un exemplaire de ce que j'ai fait jusqu'à présent? Mais ouais. De toute façon, c'est quand même assez... On va pouvoir débloquer un collecteur. Et se reposer pour poursuivre dans une prochaine aventure. Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure parce que moi, oui, genre de poursuivre l'aventure. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'espoir. Toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans le lien sur le bannière de ma chaîne YouTube pour toujours vous aider sur mon serveur Discord. Donc, tout le monde est bienvenu. Alors, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, à tous pour une nouvelle aventure sur Hollow Knight. Alors, pour ça, je vous dis merci à tous.